Bonjour et bienvenue dans le module 1 de la formation en ligne du GRET, l'essentiel sur l'échangeur à tube et calandre. Au sommaire de ce premier module, 5 vidéos qui vont vous permettre de connaître l'essentiel sur l'échangeur à tube et calandre. Cette première vidéo introductive vous présente rapidement le sommaire de ce module et permet également d'annoncer les prérequis nécessaires pour apprécier et comprendre pleinement l'ensemble de cette formation en ligne. La deuxième vidéo permettra d'introduire et de comprendre la technologie et le fonctionnement d'un échangeur à tube et calandre dont nous ferons une description exhaustive à travers une animation 3D. La troisième vidéo abordera l'aspect sélection technologique de ces échangeurs à travers une revue de ses critères fonctionnels et des critères technologiques qui permettent de faire une sélection finale en adéquation avec les nombreuses contraintes d'un cahier des charges. On ne peut évidemment pas parler d'échangeur de chaleur sans aborder la problématique du dimensionnement. La troisième vidéo traitera ainsi de dimensionnement thermohydraulique de ces échangeurs. Pour cela, nous utiliserons notamment un logiciel de calcul afin de traiter un cas d'étude. Enfin, dans la dernière vidéo, nous parlerons des échangeurs à tube et calandre dans des applications d'évaporateurs et de condenseurs. Si vous regardez cette première vidéo, c'est déjà que vous avez envie d'en savoir plus sur les échangeurs, c'est déjà un bon point de départ. Cependant, certaines vidéos demandent quelques prérequis pour comprendre et apprécier pleinement ce premier module de formation en ligne. Nous pensons évidemment que ces vidéos sont dédiées aux personnes qui ne connaissent pas forcément très bien les échangeurs, mais qui ont, au travers de leur cursus de formation ou leur expérience professionnelle, des connaissances de base en thermique. On pense par exemple à la connaissance des principales propriétés thermophysiques, comme la masse volumique, la conductivité thermique, la viscosité dynamique, ou encore la chaleur spécifique massique. On peut également citer l'importance de connaître les principes de base tels que la réalisation de bilans thermiques, ou encore qu'est-ce qu'une perte de charge. Ainsi, nous pensons qu'un niveau technicien supérieur ou équivalent nous semble suffisant pour comprendre les vidéos et l'ensemble de leur contenu. Cependant, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, ou si vous voulez en savoir plus sur les échangeurs autres que la technologie à tube et calandre, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du GRET et à consulter notre offre de formation en présentiel. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons donc par faire une description de la technologie et du fonctionnement des échangeurs à tube et calandre. Merci et à bientôt !